Salut et bienvenue sur Télé Afrique. Nous sommes à Sangon. Ça, c'est la voix de Dabou. Et nous allons faire un petit tour. Voilà, nous partons à Yopougon. Donc ici, nous sommes au niveau de Carrefour Jacquesville, qui est maintenant un rond-point. Vous allez voir tout de suite. Voilà, donc pour ceux qui veulent voir l'évolution du coin, vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. On quitte à Dabou et maintenant nous sommes à Sangon. Et ici, c'est au niveau du Carrefour Jacquesville. Vous voyez, ça c'est la station. Voilà. Donc ici, c'est au niveau de Carrefour Jacquesville. Bientôt, on va baptiser ça rond-point Jacquesville. Donc de ce côté où vous voyez la voiture est partie là, c'est côté Jacquesville. Mais nous, on continue puisque nous partons à Yopougon. Voilà. Donc là, les travaux sont toujours en cours. Hein. Les travaux d'élargissement de la voie sont toujours en cours. Voilà. Donc, c'est une zone en pleine expansion. En tout cas, ceux qui ont eu à prendre des terrains ici ou bien acheter des maisons ici quelques années en arrière, ils ne vont pas le regretter. Parce que la zone est en train de se développer. C'est une zone en pleine croissance. Donc, ça fait que ceux qui cherchent les terrains dans ces zones maintenant là, c'est très risqué. Parce que c'est pendant cette période qu'ils vont vous escroquer en fait. C'est là que les arnaqueurs sortent de partout. Vous voyez là-bas, c'est la lagune. Là-bas, c'est la lagune. Voilà. Donc, nous partons vers Sangon Kassamblé. Là-bas, vous avez la cité, vous voyez la voie maintenant, c'est-à-dire de Carrefour Jacquesville jusqu'à Yopougon. Vous avez une voie 2x2. Voilà, mais c'est pas encore sur toutes les parties. Le site est toujours en chantier, la zone est toujours en chantier. Je veux dire, en fait, voilà pourquoi on passe encore d'un côté. Parce que les travaux continuent. Donc tout ça, c'est pour permettre aux gens de rallier rapidement Sangon jusqu'au plateau, hein, jusqu'au centre-ville. Gagner en temps, quoi. Voilà. Et là, nous sommes au niveau de Kassamblé. La zone des promotions immobilières. Voilà, vous voyez, la voie est toujours en chantier. Là, ils sont en train de faire un rond-point ici. Voilà. Ceux qui sont abonnés sur Télé Afrique, vous allez regarder les anciennes vidéos. Tout ici, c'était juste une petite voie. Mais là, tout est dégagé. Et quand c'est comme ça, ceux qui construisent, vous voyez l'autre côté, la zone des cités. Quand le coin est facilement accessible, mais les gens vont faire de très belles constructions. Ils vont s'investir vraiment dans leur construction là, pour réaliser de vrais projets. Donc tous ceux qui sont au bord, c'est des magasins. Tout ça, c'est des magasins, des entrepôts. Voilà.
Voilà pourquoi on vous dit qu'il n'y a jamais de terrain très loin. Ici, quelques années en arrière, il y a des gens qui ont acheté les terrains ici. Je sais qu'il y a des proches qui leur ont dit que tu as jeté ton argent. Mais aujourd'hui, tout le monde, même les ministres, tout le monde cherche terrain à Songon. Oui, une très belle zone. Là-bas, vous avez la lagune. Et derrière la lagune, c'est Île Boulay, qui va jusqu'à la baie des milliardaires. Et un peu devant, vous avez Jacques V. Donc, regardez, une très, très, très belle zone. Tout est construit, habité. Et aujourd'hui, le coin est facilement accessible. Souvent, c'est très difficile au niveau d'Abidjan parce que, à cause des embouteillages. Mais une fois que vous sortez de Yopougon, c'est-à-dire une fois que vous sortez de l'embouteillage, là, nous sommes à Diapoté. Vous avez à Diapoté 1 et à Diapoté 2. Ici, nous sommes à Diapoté. Voilà, ça, c'est un nouveau marché qu'ils ont fait au bord de l'autoroute. Voilà. Donc, toute la zone est en train de se développer. Tous ceux qui ont dit que ici c'était en brousse, que c'est loin là, sont en train de regretter. Les vidéos qu'on fait, les zones qu'on vous présente, Toumodi, Agboville, tous ces coins-là, Atengé, n'attendez pas que ça soit comme ça avant de venir chercher. Quand c'est comme ça là, vous ne connaissez plus le vrai propriétaire. Voilà pourquoi on vous montre les sites en brousse qui sont à des prix abordables pour le moment. Et comme ça, vous vous préparez dans le futur. Voilà. Tous ceux-là, ils ne sont pas quittés au ciel pour venir tomber sur ces coins-là. Il y a longtemps qu'ils ont acheté leur terrain. Regardez, c'est quelqu'un qui a fait un très bon magasin ici. Il y a longtemps qu'ils ont réservé leur terrain, qu'ils ont acheté, ils ont réservé. Terrain pour Ipao. Et ce qui est bien même, on ne peut jamais vous appeler pour dire que votre terrain a brûlé. Peut-être ce sont les herbes qui sont dessus là. On ne paye pas facture. Il n'y a pas facture d'eau, il n'y a pas facture d'électricité pour le terrain. Vous achetez votre terrain, vous prenez votre temps, vous faites vos papiers. Et puis vous économisez. Le jour où vous êtes prêt, vous commencez à construire. Regardez toutes ces zones là. Regardez tout ça. En quelques années seulement, hein. Quelques années seulement. Et puis c'est ici Songon Gravier. C'est ici qu'on appelle au gravier.